Mais si oui, à l'époque, on fermait, c'était la catastrophe. Oui, c'était une grande. Et puis, à ce concept, j'ai bien fait parce que tout se transforme, tout nous devient bien. Ça va devenir une ville, c'est très intéressant. Il y a la forme. Regardez, moi je suis là depuis 67 et puis je vais rester là, je suis bien, ma femme. Là où il y avait les bosques, là où vous avez été au marché, non? Moi j'ai connu, c'était des bois. Que des bois, toutes les tours là-bas, ça n'existait pas. On allait faire des cabanes, on jouait aux Indiens. Passer devant, là ils sont en train de tout démonter. Et c'est un bâtiment qui a été refait tout neuf. Et après, bon, après les gens, il faut les reléger. Il y a des gens, ils ont été relégés à Montreuil, il y en a à Bondy, il y en a à Bobigny. Je connaissais une famille qui est partie à Aulnay. Puis 4 ans après, ils sont revenus ici. On dit toujours que c'est mieux avant. Peut-être parce qu'on avait 15 ans. Hein? Avant c'était peut-être mieux parce qu'il y avait du social, il y avait les gardiens, chaque bâtiment avait un gardien avec une loge. Non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien comme avant. Il n'y a pas, et puis même le bâtiment des États c'était un village. Maintenant c'est qu'un passeport. Bon, vous savez, moi je suis là depuis. Je suis né, on va dire là. J'ai vu un changement ces dernières années. Là, vous voyez tous ces bâtiments qui vont être détruits. Il y a une dizaine de bâtiments qui vont tomber. Ils vont réhabiliter mes petits bâtiments. Ça va fluidifier les transports. Ouais, ça va aider pour les jeunes, ouais, sur Paris. Maintenant, faut voir une chose. Combien ça va nous coûter? Ah ben le ticket, bah oui. Oui, non, mais faut savoir aussi ça. C'est pas uniquement que faire des travaux. Paris. 2024. Voilà. Et c'est pour même aller faire les Jeux Olympiques. Voilà, c'est. On va pouvoir aller là-bas faire. On peut dire on est à 2 minutes de Paris. Avec le super métro. Ça prouve que ça bouge. Ça prouve que ça bouge. Mais dans le temps, il y avait un tramway.